Hey, salut tout le monde! Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc un petit unboxing. Donc, depuis le temps que je n'ai pas fait de vidéo, donc ça fait quand même un bon bout de temps. Donc, du coup, pour mes vidéos spéciales vacances, donc les vlogs, je continuerai dès que j'aurai rangé mon programme parce que de montage vidéo, parce que je suis obligé de transférer les vidéos de vidéo MOV à une autre sorte de fichier. Donc, la qualité d'image a baissé énormément, donc faut que je gère ça du coup. Donc voilà, c'était une petite info des vlogs spéciales vacances. Donc on va s'attaquer de suite à l'unboxing. Donc un petit achat que j'ai fait il y a une petite demi-heure là, j'avais bien besoin parce que j'ai une nouvelle idée de vidéo. Je vous expliquerai après l'unboxing. Donc je vous présente le micro Yeti, peut-être mieux comme ça. Oh. Donc le fameux micro Yeti, donc du coup qui est pas mal apparemment que pas mal de youtubeurs utilisent. Donc pas mal de youtubeurs utilisent apparemment. Donc il y avait un autre micro mais on peut pas gérer le volume et tout, etc. Donc voilà. Alors Yeti, un micro USB multiple et polyvalente et innovante sur le marché. Alors, je regarde un petit peu. Ok, bon, là, il n'y a rien de spécial à dire là. Donc, on verra. Donc, je vais ouvrir. Oui, je mets des lunettes pour lire parce qu'autrement, j'arrive pas à lire. Alors, hop, on va ouvrir ça de suite. Par contre, je vais enlever mon gilet. Je commence à avoir un petit peu chaud. Hop, hop. Bon, essayez de pas salir mon t-shirt blanc, moi j'ai tendance à les salir facilement. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je trouve que la marque est bien représentée par les petits personnages. Je trouve ça pas mal. Ah, c'est bien, il n'y a pas de scotch. Hop, par contre, le carton un peu décollé, bon, ça c'est qu'un détail. Par contre, niveau poids, je suis surpris. Hein. Je pensais pas si lourd que ça. Donc, j'ai trouvé à 150€, mais je vais peut-être vous mettre le lien. Un lien internet sur dans la description, donc Amazon peut-être ou eBay, je sais pas, je vais voir. Mais moi j'ai acheté directement en magasin, donc je sais pas si on peut le trouver dans tous les magasins, ça j'en ai aucune idée. Bon, désolé pour la petite coupure, j'ai voulu tester, enfin vérifier un truc, pour voir si j'étais quand même bien cadré. Et il veut tout. C'est peut-être. Juste comme ça, peut-être. Je sais pas. Ah. Ah bah voilà, pourquoi j'arrivais pas à ouvrir. Hop, bon, celui-là, je laisse là pour l'instant. Alors, comment il s'ouvre celui-ci? Ah, petit morceau de scotch, je veux dire. Je trouvais un peu bizarre aussi qu'il n'y avait pas de petit morceau de scotch aussi pour fermer. Je trouve ça un petit peu chelou. Hop, bon. Déjà, premier truc. Moi, je ne sais pas combien de temps elle va durer la vidéo, j'ai aucune idée. Celui-là. Donc ici, c'est clé USB qu'on doit sûrement, enfin clé USB, câble USB plutôt, qu'on doit sûrement brancher sur l'ordi. Et c'est étonnant parce que c'est le même embout que pour brancher mes GoPro et je sais plus quoi, les manettes PlayStation aussi, mais enfin bref. Ensuite, il y a quoi là? Hop. Donc ça doit être le manuel d'utilisation. Ouais, bon, enfin bref, ça c'est pas hop, très important. Hop, voilà. Non, c'est bon, il n'y a plus rien dans le carton. Il est archi vide. Hop. Ah, putain, depuis le temps que je voulais un micro, il fait son poids. Ah, je supporte pas. Ouh là là. Ah, je supporte pas ce bruit-là. Ah, putain. Ah, je veux bien qu'il protège avec du polystyrène, mais si on peut pas le sortir. Ça. Merci pour les dons. Hop, hop là. Nickel. Ah voilà. Nickel. Ah parfait. Dans celui-là, par contre, je vais serrer un petit peu. Donc, mettre volume. Ok, volume à fond. Ici, pas de mèche. Pas qu'est-ce que c'est. Bon, enfin bref. Hop, je vais... Putain, franchement, il est magnifique. Micro blue. Donc voilà la bête. Et je vous dis,
Il est quand même assez loin. Je suis même plutôt étonné. Donc il y a les deux boutons là. Bouton mute, volume. Mute et volume. Volume, pas but. Qui est juste devant là. Puis derrière, il y a le bouton can. Gain. Ah non, gain. Donc le gain, ça doit être plus ou moins 2 décibels, je pense. Et pâte. Attendez, parce que là. C'est un peu juste, même si c'est du. Hop. Marqué quoi? Pattern. Pattern, ouais, je sais pas ce que c'est. Donc, pattern et le fameux gars qu'il y a derrière. Et franchement, il est joli. Hein. Ah, je pensais pas qu'il était en noir celui-là. Je pensais qu'il y avait gris aussi. Bon, enfin, bref. Ah, je pensais qu'il y aurait plus de choses que ça dans le carton. Donc, le petit unboxing. Donc, voilà le manuel. Je vais le garder de côté comme ça. Bon, pas de soucis. Donc, du coup, en rangeant ça, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ça. Alors, je veux en fait faire des vidéos en voix off avec des photos. Comme beaucoup de youtubeurs font en ce moment. Enfin, en ce moment, beaucoup de youtubeurs font comme Doc7 par exemple. Ou il y a Trash aussi. Il y a qui d'autres. Il y en a plein d'autres qui font des vidéos en voix off. Moi, je parle pas des gamers parce qu'eux, ils jouent en même temps. Ou alors, ils font un gameplay, par la suite, ils parlent. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est ça, en fait, j'aimerais bien faire des vidéos en voix off pour vous expliquer des histoires. Enfin, des histoires, pas forcément des histoires, mais des histoires sur un personnage, des histoires sur des faits réels, enfin, etc. Un petit peu de tout, en fait, quoi. Donc, d'un côté, c'est pour ça que j'ai acheté celui-là. Donc, il y avait un autre dans le magasin, c'était un Blue. Non, Blue, ça c'est un Blue, je sais plus. Non, ça c'est la marque Blue, pardon. En fait, il y avait un autre Blue qui était plus petit, mais j'ai regardé sur Amazon. Et celui-là était mieux noté que l'autre. Parce que sur l'autre, apparemment, le niveau son, la prise de son était bien. Même tellement bien que ça prend tous les sons autour de soi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Bon, j'ai mis le prix, mais au moins ça risque de durer pendant un moment. Donc du coup, voilà, donc je ferai pas de test micro sur cette vidéo. Donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo qui va sortir en voix off. Ça fait déjà un moment que je voulais la sortir, mais quand j'ai commencé à faire l'enregistrement, le son était dégueulasse comme je sais pas quoi. J'allais essayer de tomber jusqu'à ce que je m'achète un bon micro. Voilà. Donc le boxing est terminé pour aujourd'hui. Donc du coup, je vous dis Kenavo et à la prochaine.